Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Bukabu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien les amis, pour ma part ça super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode 9 je crois, il me semble, sur ce let's play de Pokémon version Perle. Donc la dernière fois on s'était laissé après avoir fait la reine. Donc aujourd'hui les amis, je vous explique le truc. On va aller rentrer dans cette tour comme on avait dit la dernière fois. Donc en termes de niveau, ça n'a pas trop changé. Je crois que j'ai un petit peu up Mustébué, mais c'est tout. Donc on va mettre Mustébué en première position. Ça lui permettra d'XP aussi pendant qu'on fait cette fameuse tour. Donc j'ai envie de vous dire, allez c'est parti les amis. Hein. Donc nous sommes dans le repère de la Team Plasma. Écoutez les potes, on va voir un petit peu ce qu'il se passe. La Team Galaxy ne veut pas dominer le monde, c'est l'univers qui l'intéresse. Attention, là, ça... C'est pas bien, voilà. C'est pas bien, c'est tout. Bienvenue à la Team Galaxy. Es-tu ici pour faire un don de Pokémon? Quoi? Tu n'es pas là pour ça? Alors, fais-moi le plaisir de décamper. À moins que tu ne préfères subir le sort du gérant de la boutique de vélo. Ok. Donc, on va commencer à monter là-dedans. Hein. Voilà, allez, c'est parti. Nous rassemblons des Pokémon en vue d'une opération. Nous ne tolérons aucune interposition. Désolé mon chou, la Team Galaxy n'accepte pas les enfants. Ok, donc tu arrêtes de me traiter d'enfant, s'il te plaît. Tu vas voir ce qu'il va te faire l'enfant. Voilà, moi je dis, tu vas voir ce qu'il va te faire l'enfant, et après tu fermeras ta gueule. Allez. Donc ils envoient un petit Nosferapti, un petit Chenipan, donc des petits Pokémon un petit peu... Enfin, Chenipot, pardon, un petit peu nul. Donc voilà. Donc on envoie notre petit Mustébué avec notre petit étourvol, c'est cool. Allez. Mustébué, qui va faire on va faire un pistolet à eau sur Nosferapti, un petit cruel sur Chenipot, ce qui me permettra, je pense que ça fait un petit one shot pour le Chenipot, pour le Nosferapti je ne pense pas, mais c'est déjà pas mal. Voilà, donc les niveaux des Pokémon 14-13, ça passe, c'est plutôt potable, on va dire ça comme ça, mais c'est un peu le chef qui va, enfin c'est le commandant qui va être un petit peu fort je pense, mais en vrai ça devrait passer. On a une bonne équipe quand même. Et surtout les potes, n'hésitez pas à laisser un petit, enfin pas qu'un petit, un gros pouce bleu pour soutenir cette série les potes, parce que c'est important. C'est important, ça me fait plaisir. Attends, je repasse. Ouais, donc comme je disais, c'est important, ça fait plaisir. Mais je pense que on va plutôt faire ça, parce que à mon avis, il ne sera peut-être un petit peu plus résistant que le blind Alice. Donc si je faisais un deuxième pistolet à eau sur l'autre, ça le tuait pas, je pense. Donc, Mustébué monte au niveau 18, ça c'est cool, les potes. Donc, étourvol gagne 80 points d'XP, ok. Mustébué utilise pistolet à eau sur blind Alice. Ouais, voilà, ça fait beaucoup de dégâts quand même. Donc, t'as l'autre qui va envoyer son deuxième Pokémon, qui est à savoir un Chaglam. Donc, ça va, ça va. Chaglam, je trouve c'est stylé, j'aime bien. J'aime bien le Pokémon en soi, j'aime bien le concept, on va dire ça comme ça. Bluff, par contre cette attaque, s'il vous plaît qu'il m'ait pas mis genre la trouille ou quoi. Putain, non, non, s'il te plaît, tu casses les couilles. Oh, Chaglam, là, je t'aime pas, t'es relou. Allez. Ok. Ok. Donc là, le Chaglam, bah, il se prend un pistolet à eau cruel. Donc, normalement, il devrait crever. Ok. Ouh, le one shot! C'est pas mal tout ça. Même pas de coup critique en plus. Oh, c'est beau ça. Bon, il tourne mal, il fait mal en fait. Hein. Je pensais pas qu'il faisait autant de dégâts, mais c'est vraiment sympa. Spear Galaxy, ok. Il a fallu que tu t'en mêles. Mais mon chou, tu es si jeune. Jeune, mais robuste. Voilà, c'est ça. Jeune mère robuste. Coucou. La Team Galaxy travaille dur pour trouver de futures sources d'énergie. Ok. Nos objectifs sont incroyables. Trop pour que je puisse les comprendre. Je lutterai aveuglément pour les défendre et je ne te pardonnerai pas ton intrusion. Eh ben, fais-moi regretter mon intrusion alors, j'ai envie de te dire. Je n'attends que ça. Chenipote, ok. Les mecs, ils ont que des chenipotes, quoi. Vous n'avez pas des Pokémon un petit peu plus stylés, s'il vous plaît, les potes? Je ne demande que ça. Pistolam. Ok.
Sécrétion. Chenipot. Vitesse du mustéboué baisse, ok. Pistolame. Enfin, qu'est-ce que je dis? Pistolet à eau, pardon. C'est juste que je viens de jouer à LOL, donc du coup, pistolame, tu vois. Donc, du coup, voilà. Ok, donc Nosferapti. Allez, on va y aller avec du petit Luxio. Une petite étincelle, ça peut être pas mal. Allez. C'est parti, les potes. Nosferapti est envoyé par Sbire Galaxy. Ok, génial. Donc, que doit faire Luxio? Ben, Luxio, tu vas faire une petite étincelle, s'il te plaît, ça ferait plaisir. Et voilà, mon pote. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Nosferapti monte au niveau. Enfin. Nosferapti est KO. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis fatigué les potes. Je suis fatigué ce matin, j'étais en cours, j'étais mort, je voulais dormir. Mais on fait comme on peut les potes, hein. Vous savez à quel point c'est dur les études. Et, attends, les deux là, je vais leur parler quand même. Voyons si ce Pokémon est doué, je vais les shipper à un dresseur. C'est pas bien de voler des Pokémon, mais écoute, je vais t'exploser quand même, écoute. Armelus est envoyé par Sbire Galaxy. Ok. Mustéboué. Mustéboué. Attention. Pistolet à eau. Allez. Donc, on va utiliser pistolet à eau sur Armelus. Allez. Donc du coup on enchaîne les potes. On va parler à lui. On conduit une étude sur les nouvelles formes d'énergie. Nous voulons canaliser le mystérieux pouvoir des Pokémon. Ok. Bon, génial. On va passer à l'étage supérieur les potes. Et on va affronter cette petite dresseuse. Je crois que c'est l'avant-dernier étage les potes. Eh bien merci à toi. J'adore quand les gens viennent nous donner leurs Pokémon. Non mais j'ai pas l'intention de te les donner. Donc voilà. Voilà. Ok, c'est parti. On enchaîne sur un autre combat, les potes. Allez, Chenipot est envoyé par Sbire Galaxy. Pistolet à eau. Ok. Ok, donc là, on met Chenipot KO. On va voir quel est son deuxième Pokémon. Armulis, ok. Donc on continue avec Mustéboué parce que ça le fait XP. Voilà, j'avais un petit peu la flemme de l'XP plus. Parce que vous savez à quel point c'est chiant l'XP. Donc du coup, j'en profite, tu vois, je l'XP pendant la vidéo. Voilà, on avance dans le scénario, on XP les Pokémon en même temps. Voilà, il faut être productif dans la vie, les potes. Et là, je suis productif. Voilà. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Voilà, c'est ça. Armulis, monte au niveau 12. Pff, monte au niveau... Putain, mais je suis vraiment fatigué aujourd'hui, les potes. Ok, Nosferapti. Ok. Bon, on va faire poursuite pour changer. Parce que j'ai envie de changer. Voilà, c'est tout. Le changement, c'est maintenant, quoi. Allez. Vampirisme. Ok. Et on va le finir avec une petite pistole. Avec un petit pistolet à eau. Allez. Et après, je crois que ce sera le dernier dresseur avant le commandant là. Je pense que là, on peut passer sur du solide là maintenant. Mais c'était beau, on a assez XP là. On peut passer à un autre Pokémon là, je pense. Vous avez battu Sbire Galaxy. Qu'est-ce que tu fais? Ok, donc le truc, les potes, c'est qu'on va faire. Paf! Luxio, tu passes en première position. Parce que Luxio, il fait un peu plus mal que Mustéboué pour l'instant. Allez. Notre mission est d'exécuter nos opérations sans poser de problème. Nous devons tout faire pour que notre chef instaure un nouvel ordre mondial. D'accord. Bah, ok. Si tu le dis. Combat lancé par scientifique Nico.
Ok. Luxio. Étincelle. Putain, mais non, j'avais morsure, je suis con. Je suis con parce qu'avec morsure, j'aurais fait du x2. Wow, c'est quoi ces dégâts? Aïe, aïe, aïe. Ça fait vraiment mal. Hein. Je one shot là. Quand même. Quand même, un petit one shot là. Voilà. Hein. Ok, vous avez battu scientifique Nico. Donc le truc c'est qu'on va redescendre, on va soigner et après on remonte. Hein. On se soigne et on remonte les amis. Allez, c'est parti! Allez. Donc. Petite coupe. Allez. Retourne à notre centre Pokémon, les amis. Et on va mettre. Je pense qu'on va garder Luxio en première position parce que c'est une bonne idée. Ouais, les potes, excusez-moi, il y avait mon téléphone qui sonnait donc. Voilà. J'ai fait une pause dans le record pour pas que ça gêne. Donc, allez, c'est parti. On va retourner. On va retourner bah, là-bas. Nous allons retourner là-bas, les amis. Allez. Donc, du coup. On remonte dans la tour. On fait ça vite fait, bien fait. Voilà. Et on va aller affronter. Donc, je crois que c'est Jupiter. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, c'est la meuf aux cheveux violets là. Je ne sais plus comment elle s'appelle, les amis. Venez m'aider. Comment s'appelle-t-elle? Je ne sais plus. Celle aux cheveux rouges, c'est Mars. Coucou toi, tu veux quoi? Quoi, tu veux quelque chose? Arf, quelle idiote. Tu veux libérer les Pokémon? Tu peux toujours rêver. Ok, allez, c'est parti. Ah ah ah. Qu'on va lancer par commandant Jupiter. Avec deux Pokémon. Ok, donc c'est parti les potes. Nosferapti est au niveau 18. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Un petit Nosferapti niveau 18. Sauf que on va le one shot avec notre Luxio. C'est le Pokémon d'après qui va être un petit peu plus problématique. C'est en plus, je crois qu'elle doit avoir peut-être une super potion ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, ça serait trop facile. Mouflaire va être envoyé par commandant Jupiter. Ok. Étincelle. Brouillard. Ok, étincelle. Je pense que ça devrait passer en vrai. Le mouflaire est hein, le truc. Ah yes, paralysé, ça c'est cool. Donc sa vitesse va être divisée par deux. En plus, je pense pas qu'elle ait d'antidote ou un truc comme ça. Enfin, d'antipara, de quelque chose comme ça, tu vois. Putain, mais c'est mon Luxio qui va inverser le mouflaire ou quoi? Ok. Mouflaire ennemi est paralysé. Étincelle. Ok. Truc c'est putain mais j'ai trop de chance en vrai les potes, il fait que de paralyser, il attaque pas il... En vrai c'est easy les potes, on fait tout le combat avec Luxio. Je pensais que Luxio il allait pas supporter le mouflaire. Allez bah c'est fini là du coup, à part si elle a une potion. Ah non elle a pas de potion, elle a pas de potion. Eh ben c'est pas bien, il y avait juste le mouflaire qui portait une baie citrus, sinon c'était tranquille. Donc le Luxio, il va gagner pas mal d'XP je pense. 895, c'est plutôt pas dégueu. Donc Luxio monte au niveau 20. Ça lui met plus de la moitié du niveau niveau 20 quand même. Hein. Eh ben t'es curieuse toi. Enfin c'est pas grave, nous avons fini d'enquêter sur la statue Pokémon. Mars a récolté l'énergie des éoliennes, on n'a plus grand chose à faire ici. Mais je vais te confier un petit secret, notre chef s'intéresse au mythe des anciens Pokémon. Il contrôlera Sinnoh grâce au pouvoir du Pokémon mythique. Je vous conseille de rester à l'écart des affaires de Team Galaxy. C'est mon dernier avertissement. Je m'en fous de ton avertissement. Voilà, je sais plus parler français mais c'est pas grave.
J'ai récupéré mon Mélofée grâce à toi. Mais la Team Galaxy, ils ont vraiment un problème. Je les ai entendus dire, Mélofée vient de l'espace, il nous le faut. Tu parles d'une logique, c'est plutôt eux les extraterrestres. Enfin, ils sont parmi... Ils sont parmi maintenant... Attends, ils sont partis maintenant, merci beaucoup. Je n'ai rien à t'offrir pour le moment, mais viens me voir à la boutique de vélo. Donc les amis, ce qu'on va faire, les amis, c'est que nous allons aller à... Nous allons nous soigner, je pense qu'on va s'arrêter là les potes, c'était un épisode plutôt intéressant. On s'est fight contre la team Galaxy. Allez. Tac. Donc, le centre Pokémon. Voulez-vous les soigner? Ok. Merci d'avoir attendu, vos Pokémon sont en super forme maintenant. Une prochaine fois peut-être. Ok. Donc, sauvegarder. Il y a déjà une sauvegarde, voulez-vous la remplacer? Le sauvegarde, voilà les potes. Voilà. Et bien en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, j'ai aimé vous la faire comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. À laisser un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sur ce, c'était Pokaboo et allez. Ciao ciao. Try to be cool, even wear that shirt you wanted to. My friends think I'm lame since I met you. I